J'ai toujours voulu représenter mon pays natal, mais, virgule, le Brilambolo se confie avant le choc face au Cameroun, l'international suisse Brilambolo s'est confié avant la rencontre contre le Cameroun ce jeudi. Né en Yaoundé, Brilambolo joue pourtant la Suisse. Il a fait ses débuts au FC Ball en 2013. Face à son pays natal pour la première journée G, Ambolo s'est exprimé sur cette rencontre, où il évoque le regret de ne pas jouer, pour son pays de naissance le Cameroun. Ce sera un match très spécial pour moi, j'ai toujours eu cette part de moi qui voulait représenter mon pays natal. Mais on ne peut pas faire comme en club et jouer pour deux nations différentes. Je suis le premier fan du Cameroun. Fermez les guillemets, voici les statistiques qui font très mal à son et Samuel et Al Janoub Stadium n'a pas porté bonheur pour les Lions indomptables. La Suisse s'est imposée à 1-0 face au Cameroun grâce à l'unique but marqué par Brilambolo né à Yaoundé. Dans un groupe aussi relevé que le groupe G, Brésil et Suisse, nati a pris des points importants dans la course au huitième de finale. Malgré une bonne première période, les Lions Indomptables ont été transparents en deuxième et sont déjà sur la sellette. Mais il y avait de la place pour le Cameroun dans ce match au regard des statistiques et notamment de la prestation des Lions Indomptables. Ces derniers peuvent nourrir des regrets. Suisse 1-0, Cameroun, quand tu domines et que tu ne marques pas, la Suisse te punit les Lions Indomptables ont pourtant fait une superbe première mi-temps. En bolo, Néomboa qui offre la victoire, mais il n'a pas célébré, Xerdan Shakiri a été directement impliqué dans la moitié des 24 buts inscrits par la Suisse lors de ses quatre dernières grandes compétitions, Coupe du Monde et Euro, marquant 8 buts, et délivrant 4 passes décisives, a commenté le journaliste Anthony Plauteur Plaut, de l'ouverture du score contre le Cameroun, 1-0, en cours, ce jeudi au retour des vestiaires à la Coupe du Monde 2022, l'international suisse Brillant Bolo n'a pas célébré son but. Et pour cause, s'il a opté pour la Nati, l'attaquant de la Monaco est né à Yaoundé, au Cameroun, un pays avec lequel il a conservé des liens très forts. J'ai beaucoup d'amis là-bas, la majorité de ma famille y habite, mon papa vit encore au Cameroun. J'essaie d'y aller une à deux fois dans l'année pour garder ce lien camerounais-africain. J'essaie de l'apporter aussi à mes enfants et d'apporter par des actions caritatives, comme avec mon association, l'Embolo Fondation. C'est très important pour moi de ne pas oublier d'où je viens, confier l'Elvette ce jeudi dans les colonnes de l'équipe. J'ai de bonnes relations avec plusieurs joueurs, du Cameroun, NDLR, ce sont vraiment des amis. Ce match, c'est un peu un conflit direct et indirect, rire. Même si certains supporters camerounais lui en veulent encore d'avoir opté pour la Nati en 2014, force est de constater qu'Ambolo a fait preuve de beaucoup de classe ce jeudi. Comme submergé par l'émotion, le Monégasque avait perdu d'inhabituel duel en première période, mais il s'est montré impitoyable au retour des vestiaires.